Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de SnowRunner. Donc on est sur une mission qui s'appelle des tuyaux en or et on va livrer à l'usine d'équipement de forage une citerne à carburant lourde, des briques et des poutres en métal parce qu'ils ont subi une inondation et donc ils ont des problèmes pour se remettre en route et c'est une des principales usines de Black River dans le Michigan. Donc ce qu'on va faire c'est que on va aller chercher d'abord les briques et ensuite on va aller chercher les poutres en métal. D'ailleurs, d'abord les poutres en métal et ensuite les briques puisque j'ai une remorque. Et à la fin, on va changer de camion et on va aller récupérer une citerne à carburant lourd puisque en fait, ce camion n'a pas d'attelage haut et il me faut un attelage haut pour pouvoir l'apporter. Donc, on commence déjà par l'entrepôt et la remorque de briques. Et après, écoutez, on va pouvoir y aller. Donc là, pour l'instant, je suis en montée. C'est un endroit pas facile à passer d'ailleurs. Donc on va essayer de le passer sans encombre. Normalement, ce camion est excellent dans la boue. C'est le Tatra 813. Il devrait bien faire le taf. Je l'ai utilisé 2-3 fois pour faire des missions. Et vraiment, écoutez, lui, il est bien. Je lui ai mis en plus dessus des outils de réparation et du carburant juste au cas où. Et donc, il devrait... On devrait y arriver. Allez, let's go. On va pouvoir foncer un peu plus parce que on va arriver à l'entrepôt là. Il est juste ici. Alors par contre, si vous savez pourquoi est-ce que les roues elles sont en biais là-dessus. Est-ce que c'est par rapport à une adhérence? Est-ce que je sais pas, c'est esthétique ou il y a quelque chose? À mon avis, c'est pas que esthétique, mais je sais pas du tout pourquoi elles sont en biais de chaque côté. Donc voilà, si vous savez, dites-le moi, parce que vraiment là, j'en sais rien du tout. Ok, donc, alors, l'entrepôt, on va y arriver. Il est juste ici. Et allez, on est bon, on est sur la route. Donc on va aller chercher... nos poutres en métal puisqu'on a déjà les deux briques dans la remorque scout, donc ça c'est bon et elles sont là. Voilà, donc on arrive au point, on va les charger et on est bon, on met le frein à main. Donc la gestion, on a dit des poutres en métal, voilà. Par contre on en veut on en veut une, c'est bon. Je crois que... Pourquoi il m'en met deux d'ailleurs? J'avais pas spécialement besoin d'en avoir deux. À moins que ce soit qu'une seule. Ok, écoutez, on va faire ça. On y est. On va prendre la map. Et puis maintenant, on va se diriger ici exactement. Alors, on va repartir là. On va faire ça. On va passer par ce chemin. Ici. Qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre? On va aller là aussi. Hop. Voilà. Et on va aller récupérer par là. Allez, let's go. Il faut pas que j'oublie mon frein à main. Allez, on va essayer de pas défoncer les plots. Et on est parti. Allez. Alors, je vais juste regarder un truc. On est l'après-midi. Je vais juste repasser comme ça. C'est beaucoup plus simple, en fait, parce que sinon, la nuit va tomber et ça va pas être terrible pour l'épisode. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut avancer le temps. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, par contre, ce que je peux faire, c'est enlever le hub. Voilà, je vais faire comme ça. Et ici... on va se mettre en vue intérieure. Je voulais pas klaxonner. Allez, on y va. Donc là, on va tourner à droite. Ces camions ne tournent pas du tout, en général. Allez. On est ici. Hop, faisons attention.
Alors là, on passe tranquille. Et vous voyez la boue là, ici, si on n'a pas un camion avec des excellents pneus pour y arriver, à mon avis, on passe pas du tout la moitié du trajet. Allez, on va passer là. Alors que je regarde... Ah oui, moi, il me fait carrément passer par ici. Bon, bah écoute, on va le prendre. On va aller directement là-dedans, dans l'eau. Allez, allons dans l'eau, en espérant que ça tienne. Yes. Et bah, heureusement que j'ai ce camion. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Et ouais, on s'enfonce à fond. Alors attends, par contre, moi, si ça passe, je vais pas mettre le bloc différentiel. Ça devrait être bon. Yes, ça va passer. Alors moi, je vais aller... Oh là là! Oh, je suis... Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, je pense qu'il faut que je passe là-dedans. Allez. Là, il galère. Je vais essayer. Bah, là, je m'enfonce à fond. Allez, vas-y. On va aller là. On va passer là, au milieu. J'ai peut-être pas pris le bon endroit pour passer, hein. Je garantis pas mon trajet. Voilà, on va passer ici plutôt que sur la droite du sapin. Voilà. Allez. Eh ben dis donc. Allez, vas-y. Là, tu passes, mon gars. On devrait être bon. Allez. Go, go, go. On force un peu. Yes, c'est bon. On est passé. Attends, je dis on est passé. Moi, il y a souvent le karma qui me guette. Voilà. Allez, 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 allez. Alors, ici. Non, faut que j'aille à droite, faut que j'aille à droite. Attends. Il faut pas que je me trompe. Attends, il faut que je continue. Factory. Allez, tourne. Voilà. Allez, c'est bon. Bah là, écoutez, déjà, on a rejoint la route. Donc, on va passer juste à côté de l'usine, normalement. Et il passe vraiment bien, en plus, tout ça sans encombre. C'est ça qui est bien. Allez, vas-y. Donc là, ça va être juste là. Attention. Donc j'espère que je vais pouvoir récupérer ma remorque. Normalement, elle a des briques dedans. Ça devrait être bon.
Alors, petit endroit à passer. Ok, vas-y, on va aller là. D'accord, et bah dis donc, ce trajet, il faut le mériter. Voilà, c'est bon. Alors, on va bientôt y arriver, j'espère. Oh là là, oh, mais cet endroit-là... Waouh. Punaise, je vais perdre ma cargaison si je continue. J'ai cru que j'avais calé. Ok, c'est bon. Allez, on continue. Donc là, elle est vraiment juste à côté, là-bas. Alors là, voilà. Ok, elle est ici. Alors attends, il va falloir que je fasse un demi-tour. Comment est-ce qu'on va faire? Attends, je réfléchis. Je vais peut-être faire comme ça. Ouais, normalement ça devrait passer vu que je suis assez bon. Ok, allez, il y a le demi-tour. Le problème c'est que dans la boue, pour faire le demi-tour, il glisse. Ok. Allez, on va y arriver. Voilà, c'est bon. Alors, on va essayer de l'accrocher. Normalement, est-ce que je peux l'atteler celle-là? Hop, on va regarder. Voilà. On va l'accrocher. Hop. On va faire ça. Et normalement, on est bon. Je la garde derrière moi. Voilà, ok, on est bon. Là, est-ce qu'elle est là? Alors, purée, j'espère que ça va marcher. Donc ici, on va aller par là. Ici. On va passer là, forcément. Hop. On va aller là. Et on va aller la livrer ici. Allez, let's go. C'est parti. J'espère que ça va tenir. Alors attends, faut que je fasse attention. Il pourrait en plus très bien y avoir des cailloux sur la route. Alors franchement, c'est pas le type de remorque qu'il faudrait. Excusez-moi, ami routier, si je fais des maladresses, mais je ne suis pas expert. Mais je pense que cette petite roue par terre, elle serait déjà vite cassée. Tu vois, donc on va passer ce truc. Oh là 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 là. Oh, regardez ça. Ok, alors ici... C'est la merdasse. Je vais essayer de passer. Ok, ok, ok. C'est bon, elle est passée. Alors là, ici, on va essayer de passer par le côté. Oh, je pense que c'est mieux
Voilà. Et on a tous les cailloux à se refaire. Alors. Attention ici aussi. Voilà, on essaie de passer à l'extérieur. Oh bah c'est bien, j'ai poussé le caillou. Quelle galère. Quelle galère, j'ai la pire route possible pour une remorque. En tout cas, ma roue, elle tient encore. Elle est en souffrance depuis tout à l'heure, mais elle tient. Waouh, youi youi youi. Oh, je suis bien passé. Oh là là, par contre, il faut que je redresse. Redresse. Voilà, c'est bon. Oh là 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 là. Allez, c'est bon. Donc, on va retrouver la route, ça c'est pas mal. Donc on va retrouver la route. C'est nickel. Allez, vas-y. Là, ça devrait rouler un peu mieux. Alors, il dit qu'il est mauvais sur la route, ce camion. Moi, je trouve qu'il est très bien, franchement. J'ai eu aucun souci par rapport à certaines voitures scouts, par exemple. C'est des vraies patinoires sur la route. Là, j'en ai une. Elle est géniale sur la boue et tout, mais alors sur la route, tu comprends pas ce qui se passe. C'est... ça... rebondit de partout, c'est assez frustrant. Mais enfin bref, on n'est pas avec ça, on est avec le camion. Donc toujours, je vous rappelle, le Tatra 813. Pour l'instant, je trouve que c'est le meilleur camion. Il lui manque juste une remorque attelage haut, ça c'est dommage. Mais il serait très bien avec un attelage haut, parce que vraiment, alors là, il serait complet comme camion. Je m'y connais pas trop, mais je trouve qu'au niveau des sensations, c'est le meilleur que j'ai eu depuis le début. Alors, on va. Alors ici, attends. Ouais, c'est ici. Eh ben écoute, je pense qu'on est bon. Alors, poutre disponible, une. Et brique disponible. Est-ce qu'il faut que j'aille là ? Brique disponible, ok. Alors, brique disponible. Ok, donc j'ai garé, j'ai mis ici mes briques pour l'instant. Écoutez, j'ai pas l'impression qu'elles soient chargées. À mon avis, il faut une remorque spéciale pour pouvoir les décharger. Puisque ici, je ne peux pas. Donc, ce que je vais faire, je vais changer de camion. Donc, on va aller récupérer celui-là. Voilà, et on va partir... sur le P12. Alors le P12, il me faut un attelage haut que j'ai. Donc je vais quitter le garage. Je pense que je vais passer par ici. Faut juste pas que j'aille trop dans la boue. On va faire ça. On va le déplacer ici. Allez, vas-y. Eh ben, mon gars, tu galères. Hein. Allez, vas-y. Donc là, on va essayer de passer doucement là-dessus aussi, parce que ça pourrait casser mes amortisseurs. Allez, vas-y, passe mon gars. Allez, on attache le treuil. Ouais, j'ai pas la WD qui m'aiderait. Allez, vas-y, là je pense que c'est bon.
Allez, c'est parti. On va... Allez, on passe. On passe, yes, on passe. C'est bon. Et là, ici, on va essayer de s'éviter la boue à cet endroit-là. Voilà. Et on va aller charger enfin la citerne. Alors, je vais récupérer d'abord... Hop, je vais aller récupérer du carburant. Et puis maintenant, bah, on va aller récupérer notre... citerne lourde. Elle m'attendait, regardez, elle a bougé. Hop, voilà. Alors ici, on va atteler la remorque et on est bon. On va y aller en espérant que ça fonctionne. Je suis où? Je dois passer à cet endroit-là. Ok, je débloque le frein à main. Et on y va parce que elle est énorme. J'espère que je vais pouvoir m'en sortir. Alors je passe là parce que sinon dans la boue je sens que ça va être chaud. Oh c'est chaud, oh c'est chaud, oh c'est chaud. Je vais passer doucement là. Ok, ça devrait être bon. Ce qui me fait peur, c'est les pierres. J'ai un peu peur que ça balance un peu tout. Donc là, on va peut-être... Est-ce qu'on passerait pas au milieu? Regarde, on va passer au milieu. Tu vois, là, ça passe au milieu. On est bon. Et là, c'est pareil. Il va falloir faire attention. Donc, j'essaie de passer bien au milieu pour éviter, justement, d'avoir des désagréments. Voilà. Et là, ici, je vais essayer de passer... Oh là là, je vais essayer de passer là. Mais ça va être chaud. C'est juste pour pas aller m'enfoncer dans la boue. Allez, vas-y. C'est bon, ça a l'air de passer. Attends, je regarde. Est-ce que je passe tout juste? Oh! Oh! À un millimètre. Ah non, c'est pas le millimètre de SnowRunner. Alors, on va faire ça. Voilà. Oh là là. Oh là là, comment je vais passer là-dedans? Ouf. Alors attends. On va se mettre en différentiel. Et puis on va tout de suite aller passer là. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux y arriver. Allez, 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 passe. Ça passe, faut pas qu'elle s'enfonce trop. Allez, 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 tu peux y arriver, tu peux y arriver. Allez, pousse. Je vais faire ça, je vais essayer de l'aider un peu. Bon. Je passe à des endroits, je me crée moi-même des problèmes.
Je vais essayer d'aller doucement ici. Est-ce que si je passe en automatique, ça va être un peu plus simple? Ouais, ça peut être un peu plus simple. Ah, j'ai calé. Oup. Donc on va passer ici parce que je ne peux pas aller par la petite colline. Donc on va passer par cet endroit-là. Allez, ça sera peut-être beaucoup plus simple. Ok, parce que là, c'est compliqué d'avoir cette, de passer avec cette citerne. Et c'est là où mon Tatra aurait été bien. Voilà, donc là, c'est bon. Alors attends, je repasse en automatique. Allez, il faut passer l'autre vitesse. Ok, donc là, ici, on va passer. On va peut-être... Est-ce qu'on doit passer dans la boue à cet endroit-là? On va essayer d'aller là, ici. On va passer à cet endroit-là. Oh là 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 là, que c'est compliqué! Allez, tu passes, tu peux y arriver. Oh, je vais y arriver hein, à le faire. Allez, vas-y, c'est bon, on l'a passé. Waouh! Bon, on l'a passé. Je suis bien content. Donc là, je suis très content parce que j'ai réussi à passer cet endroit. J'avais un peu peur. Donc là, on va essayer de passer aussi sans encombre le reste. Alors attends, parce que ici on a beaucoup de boue. Et ça va, on a des poteaux. Oh, aïe. J'avais pas vu. Allez, on continue. Il faut pas... Je suis en train de péter tout le moteur parce que j'essaie de passer sur le côté. Maintenant c'est bon, je vais pouvoir aller là. Oh, c'est d'un compliqué ce jeu. Je vous assure, c'est faut avoir les nerfs solides parce que vraiment, tu te prends râteau sur les missions parce que elles sont compliquées quand t'as pas tous les camions. Je vais passer en diff parce que sinon, quoique là, ça devrait marcher. Et je vous dis pas où je suis en train de me trimballer, hein, franchement. Alors attendez, on va regarder la map.
Donc là, on a avancé. Donc on est arrivé sur notre point. Est-ce que ici, on ferait pas ça? Voilà, comme ça. Ici, on va passer là. Là, on va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Allez, let's go. Alors moi je vais passer sur le côté si j'ai la possibilité de le faire. À cause de la boue, je crois que je préfère passer là. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Ouais, c'est ça. Il vaut mieux couper par là. Alors, attention ici. Bon, je vais freiner un peu. Alors, je vais faire un truc. Attendez, je vais faire un truc. Ne m'en voulez pas. Je vais regarder dans les paramètres et je pense que dans vidéo, le FOV de la caméra troisième personne, je vais le mettre à genre 110. Tu vois, un truc comme ça. Accepter et... Ah, je pense que je vais faire comme ça. C'est peut-être un peu mieux. Oh là là, je vais encore passer dans des endroits. Je t'explique pas le truc. Et si j'allais là-bas? Et si j'allais là-bas plutôt? Allez, avance, avance. Oh, s'il te plaît. Faut que je trouve des coins de pelouse. Faut que je trouve des coins de pelouse pour y aller, tu vois, comme ça. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ah oui, si tu pouvais... Si ça pouvait être bon ici. Oh là là, entre les arbres. Oh oui. Oh, c'est bon ça. Oh, c'était parfait. C'était parfait. Attends, je vais me remettre en diff parce que là, je vais avoir une grosse pente à monter. Allez, galère pas, hein. Surtout galère pas à cet endroit-là. Allez, 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 allez. De toute façon, au pire, j'ai le treuil. Ok, alors ici, je vais m'arrêter 2 secondes et regarder ma route. Normalement, ça va être par ici. Ouais, normalement c'est par là. De toute façon, j'ai pas forcément besoin de l'arrêter. De m'arrêter. Oh là là, ici. Attends, je vais passer là sur le côté pour avoir un peu d'adhérence. Eh, c'est pas mal. C'est pas mal ici. Là, on va passer à droite. Alors, attention ici. Parce que là. J'ai ma citerne, il faut pas que j'oublie. Allez, oh là là, on est enfin sur la route. Ça y est.
Alors par contre, j'ai toutes ces pierres à passer. Pouf, 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 pouf. Allez, allez, reviens, reviens, reviens. Cale pas, cale pas, cale pas. Faut que je vois où on va. Alors, je pense qu'il faut passer par ici. Allez, allez, on va y arriver. On va y arriver. On va la livrer, cette citerne. Oh non, j'ai... Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'avais le pont en bois à faire. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Allez, vas-y. Donc là, on a passé toutes les pierres de la route. On est bon. Maintenant, il faut essayer de livrer tout ça correctement. Alors, on va déjà aller livrer cette citerne. Ça a été assez compliqué, on peut le dire. Mais en tout cas, elle est là. Et on l'amène. Allez, vas-y. Voilà. Alors, attends. Est-ce que je peux faire ça? Non. Où est-ce que je dois la... Où est-ce que je dois l'amener, cette citerne? Alors, attends. Je vais regarder la map. Livrer à l'usine des briques. Donc, ça veut dire que ça y est, j'ai livré la... Alors, attends. Ok, alors je vais l'enlever. Je vais détacher la remorque. Voilà. Il faut que je livre des briques. Et pourtant, ces briques, je ne peux pas les livrer. Donc, je ne sais pas pourquoi... je l'ai fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que mes briques qui sont ici, je m'en suis occupé, j'ai tout livré, donc je sais pas pourquoi. Donc en tout cas, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de le faire hors vidéo. Et puis bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.